Apparemment, on va partir à Paris si on gagne. Tout ça, c'est ça. Les pompiers du bar, j'écoute. Je m'appelle Bilal. Il a eu un accident de trottinette devant mon collège, le collège Jacques Singer à Strasbourg. Un accident de trottinette alors ? Un professeur est couché par terre à côté de sa trottinette, il est tombé en freinant. Vous voulez savoir comment on en est arrivé là ? Eh oui, il y a quelques semaines, nous avons rencontré Raphaël, sapeur-pompier professionnel à Strasbourg qui nous a fait découvrir son métier. Comment les équipes de sapeurs-pompiers sont-elles choisies pour intervenir dans des situations spécifiques ? Chez les sapeurs-pompiers, on a plusieurs équipes spécialisées. Ici, par exemple, à la caserne Ouest, c'est tout ce qui est risque technologique, donc le risque chimique. Des collègues dans une autre caserne qui sont spécialisés en plongée, les plongeurs. On a également ce qu'on appelle le GRIMP, le groupe de recherche d'intervention en milieu périlleux. Ce sont des collègues qui évoluent sur des cordes. Je voulais savoir aussi comment ça se passait à la caserne. Donc on est en garde sur des cycles de 24 heures à Strasbourg. On prend la garde le matin, on quitte le lendemain matin. Nos gardes sont rythmées par des interventions. Et tout comme vous à l'école, on a des emplois du temps avec des créneaux de sport, des créneaux de formation qui sont très importants justement pour toujours être compétent dans ce qu'on fait. Finalement, être sapeur-pompier regroupe plusieurs métiers et des missions très différentes. C'est une vocation et grâce à eux, nous aussi, on a les moyens de pouvoir aider quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons appris que nous, collégiens, pouvons faire la différence. Chaque geste compte. Merci, c'est bien ce que vous avez fait de mettre en PLS, hein, nous attendons, c'est cool les jeunes, c'est bien. Merci, on s'occupe de lui, bon courage, puis au plaisir, allez, au revoir.